Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut AAD. Ciao. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. Bienvenue à l'Institut AAD. Journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. Bienvenue à l'Institut AAD. À l'Institut AAD.
Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut AAD. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons la... AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons la promotion de la culture allemande et de la langue allemande en elle-même. Nous préparons les... Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut AAD. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut AAD. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. L'Institut AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons la promotion de la culture allemande et de la langue allemande en elle-même. Nous préparons les candidats pour les études. AAD, c'est un centre de formation en langue allemande. Faisons la promotion de la culture. L'Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut AAD, la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande. L'Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Je vous souhaite la bienvenue. Nous faisons dans la promotion de la AAD AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande.
AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue. AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats allemands. Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études ou faire une formation. À venir poursuivre les études ou faire une formation ou tout de même travailler en Allemagne. Pour les étudiants de l'Institut AAD, il est question pour nous de primer les minimums. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. De formation en langue allemande. Nous faisons la promotion de la culture allemande et de la langue allemande en elle-même. Nous préparons AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études ou faire une formation ou tout de même. Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études. Nous préparons les candidats à venir poursuivre les études ou les études. Les candidats à venir pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Nous préparons les candidats pour les études, la formation en elle-même. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats de la langue allemande en elle-même. Que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Ou tout de même travailler en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Ou tout de même travailler en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur
on doit pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Ne réussissent pas à finir les études à temps parce qu'ils ne savent pas comment le système universitaire quand vous livre et qui vont vous permettre d'être le plus efficient possible. Qu'on soit fier de dire, ok, on a 10 ingénieurs, et on sait qu'on peut l'atteindre parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. On fait de la philosophie. C'est du travail au Cameroun. Après le soin de dire. Pardon, si je ne me trompe pas bien. C'est grâce à cet argent que vous prouvez au niveau de l'ambassade. Tu places et tu vas travailler avec. Vous avez fait histoire. Tu as des étudiants qui avaient les contrats au pair, mais qui n'avaient pas. Balader un micro auprès des étudiants, pas comme aussi. Donc, tout à l'heure. Frère Abbé, pour les conseils, la patience et aussi. Tu as allé. AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études. Et de la culture allemande. Nous préparons les promotions de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les promotions de la langue allemande et de la culture allemande. Promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats. Pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. La formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question.
la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative. Sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline. De faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment informative. Informative sur ce sujet. Informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies. Sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. On va mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. On va mettre le maximum d'efforts. En ouvrant ces structures, on s'est dit, En ouvrant ces structures, nous, on s'est dit, on va mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous, on a rencontrées. J'ai l'habitude de le dire à des étudiants, moi, on m'a refusé le visa deux fois. C'est la troisième. C'est les bras, il y aura toujours des difficultés, mais restez confiants parce que l'objectif. C'est voyager, non. On dit comment le système universitaire est fait. Parce qu'en Allemagne, on amène un examen, comment on compose un examen, comment se trouve. Pareil, pour la formation, quand vous arrivez, on vous présente votre centre de formation, on vous présente la mairie, là où vous allez vous. Il y a beaucoup d'informations comme ça qu'on vous livre. Et à AAD, même en Allemagne, vous aurez toujours l'accompagnement parce qu'on se dit. Même en Allemagne, vous aurez toujours l'accompagnement parce qu'on se dit, si un étudiant a une difficulté, par exemple, dans une matière, on connaît quelqu'un dans notre Freundkreis, donc dans notre cercle d'amis, qui a fait cette filière ou cette matière-là et qui pourra transférer quelques notions, quelques livres ou quelques questionnaires qui vont te permettre de mieux préparer cette matière-là. Donc, beaucoup de personnes vont dire non, je veux voyager, ce n'est pas l'objectif, c'est une partie de l'objectif et le plus dur, bien le plus déterminé. De transférer quelques notions, quelques livres ou quelques questions. Deux chercheurs, trois docteurs, on peut l'atteindre parce que vous avez la compétence qui est sur lesquels on travaille. C'est un objectif à long terme, on sait qu'on peut l'atteindre parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tout. C'est un objectif à long terme, on sait qu'on peut l'atteindre parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Pour un premier mot, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.
atteindre cet objectif. Si un étudiant a une difficulté, par exemple, dans une matière, on connaît que magnétisme la dérange et ils m'ont appelé comme un événement comme toujours. Plus M. Franklin, dame, et avec ses amis de longue date, on a fait la première à la vie. Et pas facile de nos jours d'avoir de bons amis, des amis sur lesquels on a des parents. On est dans un processus qu'on. Et j'ai eu à commencer les cours ici, ça fait déjà un mois et demi. Je suis par ailleurs technicienne de laboratoire et je suis sortie de formation en 2019. J'ai aussi une mauvaise expérience du travail au Cameroun. Donc ma question c'est au niveau des cours. Parce que il y a cet adage qui dit moins que j'ai un peu recul, le fait que quand quelqu'un vient, il peut avoir un désagrément et qu'il vient peut-être en retard et puis on l'expulse définitivement des cours de la journée. Moi, je n'ai pas vraiment apprécié cela parce que tu ne peux pas te déplacer déjà de choses. Quel est le but dans ce cas? Santé 2 heures. Quel est le but dans ce cas? Parce que moi je ne comprends pas. Le but c'est quoi? Est-ce que l'apprenant qui perd ses 2 heures va le récupérer? Déjà non. De 2. Voilà, il y a un dicton qui dit que. AD, c'est cette institution. Parce que moi je comprends pas. Le but c'est quoi? Est-ce que dans ce cas, parce que moi je comprends. Le but dans ce cas, parce que moi je comprends pas. Le but c'est quoi? Est-ce que l'apprenant qui perd ses 2 heures va le récupérer? Déjà non. De 2, qu'est-ce que c'est de vous? Mais je vais prendre le soin de laisser. C'est le moment pour moi de lui exprimer toute ma gratitude, son engagement. On s'est dit. Je vous remercie beaucoup. Je dis, je compte sur vous beaucoup et son équipe dirigeante, pardon, Jean-Yves. On va passer à ce qu'on a. Et va marcher droitement pour nous présenter des résultats désagréables. Vous revenez avec un module, deux modules. Avec ça, on ne peut pas lancer des partenariats au Sénégal. Parce qu'on veut communiquer au quotidien. Et vous ne pouvez pas communiquer si vous ne parlez pas comme les autres. Parce que pour se faire comprendre, il faudrait que ton marin soit pour moi également. Marin est non, ma chaîne par exemple. C'est pas ça que je comprends. Donc pour moi, c'est la base. Et je dis toujours la preuve. Je vais redire ce que. Et deuxièmement, je vais dire, c'est d'abord la motivation. Quand. Et après. Ils iront au A2, que s'ils auront validé tout. Il faut des audios pour insister au cours de cette conférence sur la procédure parce qu'il y a certaines personnes qui
étudier en Allemagne. Maintenant, en ce qui concerne la procédure, l'ambassade fait la différence entre les étudiants qui ont eu une mention au baccalauréat, c'est-à-dire une note supérieure à 12, et ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que vous allez beaucoup entendre liste A, liste B. Liste A, c'est la liste pour les étudiants. C'est reconnu. C'est que vous devez nous payer à la fin. Donc, des personnes qui veulent savoir quelque chose de plus spécifique. 10 000 francs à tous les personnes. Je ne sais pas si c'est moisi. Bonjour à tous, Frau Abbé. Pour les conseils, la patience. Et aussi, comme on parlait de motivation, la motivation compte. Pour les conseils, la patience. Et très, très assidu, un étudiant très travailleur. Même. Formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. Sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En adoptant cette structure, nous on s'est dit on va mettre le maximum d'efforts. Le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En adoptant cette structure, nous on s'est dit on va mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Passe le mieux.
L'ouvrage étant la première étape, votre adaptation socio-professionnelle étant la seconde étape. Donc c'est vous qui faites le gros travail, et si vous n'avez pas cette discipline personnelle là, à... dans le cas contraire, tout le monde pourra juste dire waouh. Merci monsieur. Parole pour. Mais je vais prendre le soin de laisser les autres également parler. Comme vous le savez, et après c'est un nombre de temps de fonctionnement. Pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous on s'est dit, on va mettre le maximum d'efforts. De la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous on s'est dit, on va mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Et nous, on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Cet objectif. De primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD, car actuellement nous avons plus de 100 objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs. Meilleurs étudiants de l'Institut AAD, car on devient sérieux. Je voudrais vous dire avant. Oui, merci infiniment, M. Franklin. Discipline et également de primer les meilleurs. Et on ne va pas faire plus de l'issue pour nous. Une fois j'étais prêt à remonter, basique et qui essaie de également Stéphanie, vraiment merci beaucoup.
et nous on a tous les éléments qu'il faut. Mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nous ne subissions pas les mêmes difficultés que nous en avons rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et l'équipe. Et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de bonsoir à tous. Normal. Elle a aussi passé le PD des médecins ou quoi? Tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question. Et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques J'aimerais préciser que je suis.
elle a aussi passé le BD des médecins, quoi. C'était le fac, je pense que vous n'allez pas pouvoir être là. Et je vous souhaite d'écouter la vidéo en entier. Pour les Fanta qui sont au Cameroun. Parce que la procédure là-bas, ça dure aussi plus de. Et en plus, a des bons processus. On fait beaucoup de ce qu'on a. AAD n'est rien sans ce qu'ils font. AAD n'est rien sans l'engagement qu'ils font. Et je. Socio-professionnelle étant la seconde. Petit cadeau et également un et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats et pour cela nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. Je vous souhaite la bienvenue à l'Institut. L'Institut AAD, c'est un centre faisant la promotion en elle-même. Aujourd'hui, c'est une journée où nous allons faire à de bons résultats. Il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Merci pour toute votre présence à AAD. Merci. Merci pour toute votre présence à AAD. Merci pour tout ce que vous le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, nous allons. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux à de bons résultats. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux. Et également quelques mots d'encouragement. Et également également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués.
étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. Et il est question de montrer que seul le travail des étudiants et les questions de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, bons résultats. Une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. À droite et avant de contourner directement l'esprit d'équipe, il a commencé les Madame Chilène qui est celle-là, qui est l'expression de la jeunesse. Comme tout le monde, elle s'est dit, monsieur, je pense qu'on a un niveau de chance à donner. Et elle s'est directement proposée volontaire pour mener son. Madame Chilène, si vous le faites, il faut que AAD vous encourage, même si c'est en vous donnant un peu de taxi, il faut à tout prix que vous ayez un peu de cours de Betroyon. Et donc, Madame Chilène, merci à toi. Donc, une fois de plus, Madame Chilène, merci à toi. Madame Chilène, vous avez proposé c'est très très bien. Je compte sur vous beaucoup et j'espère qu'on va pouvoir travailler à long terme. Donc c'est super. Des encadrés, on dit quoi? Quand je suis encadré, quand je suis pas mal, vous demandez vos difficultés, vous me rassurez, vous savez. Je vous dis merci. Également Stéphanie, je dis également merci. Vous allez transmettre. Je vous assure, très satisfait à la fin du processus. Et je vous remercie encore pour votre attention et on va accélérer. Pourquoi est-ce que je le fais? Parce que nous avons déjà, de prime abord, beaucoup de problèmes avec les parents. Vous revenez avec un module, deux modules. Avec ça, on ne peut pas lancer votre procédure. On ne peut même pas commencer, même si vous avez fait l'ouverture de dossier. Quand j'ai ce genre de dossier, je mets en dessous de la table. Je dis, rendez-vous dans deux, trois mois. Personne va décider d'être d'ici. Parce qu'à côté, nous avons aussi des partenariats. Lorsque vous êtes 10 au B1, au niveau des partenariats, je dis, si je reviens avec pour moi, la confiance, pour cela, je suis là. Je suis là que je suis le terrain. Ils ne prenaient pas la peine de s'excuser. C'était normal pour eux. Lors d'un texte audio, c'est très important. L'imitation, en fait, pour moi, c'est la base. Puisque je me dis, je vais toujours du point selon lequel la finalité. J'ai vu, il y avait trop d'indiscipline. Des gens qui venaient 30 minutes après les cours et qui ne prenaient pas la peine de s'excuser. C'était normal pour eux. Je peux dire, ça fait pratiquement 3 mois que je suis sur le terrain. J'ai examiné, j'ai regardé. Je suis passé parfois comme un éclaireur, j'ai guetté. Le gouverneur attend que je revienne avec le certificat Dodge pour commencer à traiter mes dossiers. Si je reviens avec 2 qui ont réussi tous les modules, ça devient. Thank you.
Aujourd'hui, c'est une journée où nous allons faire... Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Et pour cela, nous allons prévoir quelques... Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux. M'avoir beaucoup de c'est quelqu'un qui sait insister sur les notions parce que quand on a institué le système j'ai déjà fait et directement avec elle j'ai planifié ses cours de Betroyon et jusqu'ici ça se passe bien des encadreurs et des encadrés. Je souhaite vous dire merci. Maëlle, d'abord. Merci pour le soutien. Merci pour le soutien. Vous allez transmettre la nouvelle de ma part. Et. Ils sont pas présents, je dis également merci. Les premiers jours, ça fait. Je peux. Et je comprends mieux. Donc, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, je vais dire, c'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. Marqués par leur travail et leur discipline. Prévoir quelques petits cadeaux et également nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline.
motivation. Parce que je n'aime pas bien. J'écris. Allô. Que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. Ils n'iront au A2 que s'ils auront validé. Ils sont au A1 actuellement. Ils n'iront au A2 que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. Parce que je n'aime pas la motivation tout à l'heure. Il faut que cela soit une source de motivation. C'est le nouvel ordre. Merci. Actuellement, ils n'iront au A1. Actuellement, ils n'iront au A2 que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. À de bons résultats. Merci pour tout. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Merci pour tout. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, ils n'iront au A2 que s'ils auront validé.
valider tous les modules. J'espère que ça doit être actuellement. Ils iront au A2 que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. Aujourd'hui, c'est une journée où nous allons faire une conférence pour les étudiants de l'Institut AAD. Il est question pour nous de primer les meilleurs, d'insister sur la notion de la discipline et aussi d'encourager nos étudiants à faire la procédure pour venir en Allemagne, de telle en sorte qu'ils se retrouvent à gagner en temps et en expérience pour pouvoir travailler dur pour l'accomplissement de leur dossier. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et que et si vous trouvez le contact des Togolais parce que et cette discipline doit être autant institutionnelle que personnelle. On le désormais. Et cette discipline doit être autant institutionnelle que personnelle. On le disait déjà à l'entame, AAD ne vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Et si on le disait déjà à l'entame, AAD ne vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Et si vous ne faites pas valoir cette discipline et vos compétences, votre départ va traîner, traîner et traîner encore. Bonne chance. Nous vous remercions pour votre patience une fois de plus et allez. Quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, ils iront au A2 que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. De motivation. AAD ne vous sert que de source de motivation. AAD ne vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Et si vous ne faites pas valoir cette discipline et vos compétences, votre départ va traîner, traîner et traîner encore. Compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Et si vous ne faites pas valoir cette discipline et vos compétences, votre départ va traîner, traîner et traîner encore. Valider tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. AAD ne vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont.
d'écouter la vidéo en entier. Ciao. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite d'écouter la vidéo en entier. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite d'écouter la vidéo en entier. Actuellement, ils iront au A2 que s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. AAD vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous souhaite d'écouter la vidéo en entier. Ciao. Différentes marches de ce pont.
analyse les différentes branches de ce pont. De marche de ce pont. Marche de ce pont. C'est que tu as trouvé la moitié de la solution. Avec ça, on ne peut pas lancer votre procédure. On ne peut même pas. Allô. Ce qu'il faut faire pour perdre le moins de temps. On recrute énormément dans ce. Me donne une idée. On va. Le modérateur. C'est ce qu'on appelle le FLP. Que l'Allemagne est. Si vous vivez en Allemagne, vous savez bien que.
apprentissage de la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous on s'est dit, on va mettre
le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Merci beaucoup. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, ils iront au A2 et s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. AAD vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institute, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous on s'est dit, on doit mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Merci beaucoup. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, ils iront au A2 et s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. AAD vous sert que de pont.
ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont.
de discipline, travail, succès. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence bien. Bienvenue à l'Institut AAD. AAD Institut, c'est un centre de formation en langue allemande. Nous faisons dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande. Nous préparons les candidats pour les études, la formation professionnelle et le travail en Allemagne. Il est question pour nous aujourd'hui de faire une conférence informative sur ce sujet, mais notamment aussi sur le sujet de la discipline et des stratégies d'apprentissage de la langue allemande. En ouvrant cette structure, nous on s'est dit, on doit mettre le maximum d'efforts, le maximum de temps possible pour que nos étudiants ne subissent pas les mêmes difficultés que nous on a rencontrées. Parce que vous avez la compétence qu'il faut et nous on a tous les éléments qu'il faut pour vous accompagner et vous permettre d'atteindre cet objectif. Il est aussi question pour nous de primer les meilleurs étudiants de l'Institut AAD. Car actuellement, nous avons plus d'une centaine d'étudiants et il est question de montrer que seul le travail peut nous mener à de bons résultats. Merci pour tout. Et pour cela, nous allons prévoir quelques petits cadeaux et également quelques mots d'encouragement pour les étudiants qui se sont démarqués par leur travail et leur discipline. C'est d'abord la motivation. Quand on est motivé, on apprend mieux et on comprend plus. Actuellement, ils iront au A2 et s'ils auront validé tous les modules. J'espère que ça doit être une source de motivation. AAD ne vous sert que de pont. Ce sont vos compétences qui construisent les différentes marches de ce pont. Discipline, travail, succès.